Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un beau colis que j'ai reçu. Une belle surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, coucou. Alors, j'ai voulu regarder un petit peu, mais en fait, c'est tellement bien emballé que ben, j'ai voulu vous faire profiter, comme d'habitude, de ce que j'allais découvrir. Alors. Je m'allume mon petit encens pour nous accompagner. J'ai choisi le copalmyre de la boutique Mataès. Vous connaissez? N'hésitez pas à aller voir sa boutique à Mataès. Des superbes choses sur sa boutique. Tout ce qui est ésotérique. Vous avez 10% de réduction. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de Sylvie, même si je l'adore, mais de Flore. Alors, Flore, vous devez la connaître pour ceux qui me suivent, pour l'oracle du petit colibri que vous connaissez et l'oracle des messages de nos guides. D'accord? Donc, ça fait plus d'un an que je suis partenaire avec Flore. Et je la remercie pour sa confiance et elle a renouvelé ça une fois de plus. Voilà, donc je suis ravie qu'elle soit contente de ce partenariat, de ces échanges, de ces partages. Voilà. Allez, j'ai trop hâte. Alors, est-ce que j'ai un petit ciseau? Eh ben non. Eh ben non. De toute manière, celui-ci, je vais le déchirer. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez les petits confettis, tout? C'est trop beau. C'est trop mignon, quoi. Trop, trop mignon. Alors, je vous lis le petit mot. Merci pour tes partages. Je suis heureuse de te compter parmi mes partenaires choisis avec le cœur. En septembre, il y aura du nouveau. Je te dis d'ores et déjà à très bientôt. Voilà. Et le petit mot, mon fils s'est lâché sur les confettis. J'adore, j'adore. Voilà, c'est magnifique. C'est créé avec beaucoup d'amour. Son fils participe à l'envoi des colis. Flore est une des premières hein, que j'ai eues. J'ai eu Karine, je crois. Je sais pas si Flore est pas la deuxième ou troisième partenaire que j'ai eue l'année dernière. Et je suis ravie. Je suis ravie de partager ça avec elle parce que elle a créé déjà deux oracles qui sont juste merveilleux. Et parlant à plus pouvoir. Donc voilà, je vous les ai présentés déjà en review sur YouTube. Vous pouvez retourner voir si vous ne connaissez pas cet oracle. D'ailleurs, ben voilà, le message de nos guides. Donc j'ai eu un petit message. Et elle me dit, respire, tu es là où tu dois être. Je vais vous le lire entièrement, comme ça vous allez avoir une idée de cet oracle. Et moi, j'adore tirer une carte chaque jour. Ou en conclusion, ou un tirage à choix, ça peut être vraiment, il est très utile et très simple, vous le voyez, en fait, vous avez la phrase et l'explication, donc tout le monde peut avoir accès à cet oracle. Et donc ici, elle me dit, les guides t'indiquent que c'est le moment de poser tes valises et de t'ancrer confortablement dans la vie. L'herbe n'est jamais vraiment plus verte ailleurs et c'est en toi qu'il te faut chercher ce point d'ancrage. Cet endroit où tu vas te sentir bien. Tu es au bon endroit pour vivre ce que tu as à vivre. Prends le temps de te poser, de respirer, de méditer. Recentre-toi vers l'essentiel, c'est-à-dire vers ton temple intérieur. Eh bien, merci Flore, parce que ce message tombe à pic. Vraiment, il tombe à pic parce que je suis dans une période où il y a des nouveautés qui arrivent aussi pour moi. Et où les choses essayent de s'enclencher, mais en même temps, ben, la peur, hein, comme d'habitude, qui est toujours là. Et oui, mais malgré que je sois thérapeute, moi aussi, j'ai des peurs. Et j'ai pas honte de le dire. Donc, voilà.
Donc, il tombe vraiment à pic. Alors, j'ai la petite carte de Flore, voilà, avec ses coordonnées. Je ne sais pas si vous y voyez bien pour la prendre en photo. Mais de toute manière, je vous mets toutes ses coordonnées, hein. Voilà, donc elle vous dit qu'elle est dans un univers magique, des galaxies vibratoires, des orgonites artisanales qu'elle confectionne avec amour par ses soins, programmées pour agir en véritable soin énergétique. Et elle souhaite une expérience extraordinaire. M'aurait-elle mis une orgonite? Alors là, Flore, si tu as fait ça. Et alors, j'ai un petit message, ben voilà, vous voyez. Je vous parlais de son deuxième oracle tout à l'heure, l'oracle du petit colibri, bah c'est celui-ci. Et donc j'ai reçu un petit message aussi. Les murmures de ton âme. Très intéressant, tiens donc. Le petit colibri te rappelle que ta souffrance intérieure traduit que tu n'es pas en accord avec ce que tu voudrais vivre au fond de toi. Qu'est-ce qui t'en empêche, à part toi-même? Écoute la petite voix qui tente de se frayer un chemin et accorde-lui un peu plus de confiance. Écoute les murmures de ton âme qui te chuchotent les directions à prendre au travers de ton cœur. Bon, que dire de plus, hein? Voilà. Je pense que Flore me connaît encore mieux que ce que je me connais moi-même. Donc, merci Flore pour les messages. De toute manière, je ne suis pas étonnée parce que tes oracles disent toujours la vérité. Je suis jamais déçue. Jamais. Je n'ai jamais été déçue. Ou en tout cas, je n'ai jamais pas compris les messages. C'est toujours très, très, très pertinent. Donc, je vais sortir tout ce qu'il y a à sortir. Alors là, je pense savoir ce que c'est, mais je vais rien dire. Regardez-moi tous ces petits confettis qui ont été mis par un petit bout en plus. C'est pas merveilleux ça. Rien que ça me rend heureuse de voir qu'un enfant était heureux de faire ça. Il n'en faut pas beaucoup, hein, vous voyez. Ouh. Eh ben Flore, tu m'as vraiment gâtée. Et elle vous a gâtée vous aussi parce que vous avez participé à l'ouverture de ce colis. Et vous allez certainement en profiter parce que. Voilà. Alors, j'ai envie de lancer les confettis partout. Mais je pense que si je fais ça, c'est ma fille qui va, quand elle va rentrer, elle va me dire, mais maman, tu as pété les plombs. Alors, je vais mettre tout ça là. Ah, je ne sais pas quoi ouvrir en premier. Je suis comme un enfant devant un sapin de Noël. Hein. Alors, ça. C'est pas à sa place. Bon, allez, on commence par celui-là. C'est le premier que j'avais ouvert. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Et je suis sûre que vous aussi, vous êtes impatient. Là, vous dites, non, t'es longue, t'es longue. Eh oui, ben, je fais durer le plaisir. Hein. Oh là 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 là. Gardez-moi ça pour pas que ça se casse. Alors, je sais pas si c'est fragile, là, je suppose. Gardez-moi ce beau petit pochon doré. J'adore le doré, elle le sait certainement aussi. Parce qu'elle sait tout. Flore, tu sais tout. Avec des petits copeaux pour protéger. Eh ben si c'est pas magnifique, regardez-moi cette orgonite avec le yin, le yang, la fleur de vie, les paillettes, les cristaux, tout y est quoi. Ça c'est le dos. C'est magnifique. Magnifique.
Bon. Est-ce que j'ai le droit de pleurer maintenant ou après? Je suis très émue, toi. Très, très, très émue. Déjà pour ta confiance que tu as renouvelée, mais merci parce que c'est très, très beau. Ça, donc, c'est les créations qu'elle crée, elle, avec ses mains. Ses orgonites travaillent énormément en énergétiquement. Vous pouvez aller voir les vidéos qu'elle a réalisées une fois qu'elle met son orgonite au congélateur avec un verre d'eau et vous allez voir la puissance de ses orgonites. C'est juste waouh. Donc, on va continuer l'ouverture. Tu m'as vraiment gâtée. Vraiment, vraiment, et je te remercie. C'est moi qui te remercie. Alors, un petit pochon satiné blanc. Avec, elle met un QR code pour ses orgonites pour accéder au mode d'emploi. Donc très pratique si vous ne savez pas vous en servir. Et elle vous dit l'orgonite galaxie vibratoire, enfant intérieur, quartz rose, cornaline, améthyste. Donc on a le petit mot qui va bien et là on va découvrir cette merveille. L'enfant intérieur, ça aussi, ça me parle, mais on dirait qu'on a communiqué ensemble avec Flore, mais apparemment pas du tout, hein, puisque j'ai pas souvenir d'avoir communiqué sur ce que j'avais à travailler, donc ni les messages à recevoir par les oracles, ni les messages à recevoir avec les orgonites, mais aller dans le juste total, parce que je suis en train d'équilibrer mon masculin et mon féminin. D'accord, de travailler sur ma vie, sur mon chemin de vie. Donc avec la fleur de vie, c'est juste merveilleux. Le vert, le blanc, le enfin, cristal, moi pour moi, ça me parle beaucoup de chakra du cœur, tout ça aussi. Beaucoup de connexion aussi. Oh là là. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est le dessous. Ah, c'est reflet. Ça m'enquiquine. Je voudrais vous montrer bien comme il faut. C'est merveilleux. Voilà. Donc, elle nous l'a dit. Il y a du quartz rose ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, donc il y en a plusieurs, mais pour vous montrer, de la cornaline juste à côté et de l'améthyste, plus les feuilles d'argent, plus les résines. Oups! Elle a glissé, dis donc, elle est allée se cacher dans mon tiroir. Bravo, quoi. Moi et mes mains. Voilà. Eh bien, merci, merci, merci. Bon, on continue les émotions, séquence émotions, on y va. Alors, vous voyez, tout est emballé, c'est très, très, très joli, avec sa petite étiquette qu'elle a créée. J'essaye d'ouvrir le plus délicatement possible. Oh là là, il est là, je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé. Le voilà, mon journal Good Vibes. Regardez-moi ça. Donc, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez suivi? On va voir si vous avez suivi.
Et voilà. Alors, je vais vous le lire, ce qu'elle a voulu créer, parce que j'ai créé ce journal afin qu'il devienne un précieux allié de votre quotidien. J'ai voulu un support ludique agréable pour vous aider à rester focus sur les bonnes choses qu'il y a dans votre vie. La gratitude est un élément essentiel pour qui veut créer une vie plus abondante sur tous les plans et se concentrer sur le bon et sur le positif est une attitude de tous les jours si l'on veut du résultat. Dans ce carnet, une page par jour, vous pourrez déposer vos gratitudes, l'abondance que vous avez reçue et ce qui vous a rendu heureux au cours de la journée. Vous retrouverez aussi un petit encart dédié à votre météo intérieure, un petit outil pour nous permettre de suivre de près nos états émotionnels, un compagnon idéal pour nous apprendre à apprécier pleinement notre vie et tout ce qui la compose. Que ce journal devienne pour chacun une routine du quotidien, un temps pour soi, où l'on savoure les petites et les grandes victoires que la vie place sur votre chemin. Je vous souhaite une vie heureuse et abondante. C'est merveilleux. Voilà, donc là, vous pouvez écrire votre journée du, je sais pas, le 10, la météo intérieure, mes trois moments plaisir, ici, mes gratitudes, mon abondance du jour et ce qui m'a apporté le plus de joie et de bonheur. Et tous les jours, vous pouvez remplir votre journée et voir l'évolution. D'accord? C'est juste une pépite. Alors, si ça, c'est pas des pépites, ben, il n'y en a plus des pépites. Voilà. Et donc, je n'ai pas compté. Est-ce qu'il y en a pour toute l'année? Certainement. Voilà le journal que vous pouvez commander sur son site, certainement, et qui a un prix totalement raisonnable. Je vous le montre ici. Il est à 10,90 €. C'est un merveilleux cadeau à faire aussi, à offrir. Pour des personnes qui ont du mal à rester dans des émotions positives, à être dans la gratitude, à essayer d'être dans le positif, parce que du coup, ça peut les pousser à voir aussi ce qu'ils ont de bon dans leur vie. Et ça, c'est drôlement important. C'est drôlement important parce que souvent, moi la première, hein, souvent, on se rend compte que dans nos vies, on calcule comment dire? On calcule tout le temps ce qui nous arrive comme malheur. Oh là là, aujourd'hui il m'est arrivé ci, aujourd'hui il m'est arrivé ça. Et en fait, on se dit jamais, mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien? Ne serait-ce d'avoir été avec sa famille, d'avoir vu ses proches, d'être en bonne santé. Ça peut être un petit truc, mais notez-le et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Bon. Alors, ça va être très utile pour moi. Je te le dis, Flore, très très utile. Surtout dans ma nouvelle vie que j'envisage. Alors. Hop, là j'ai déchiré un peu. C'est du très beau papier. J'adore le violet, j'adore le doré, elle sait tout. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit lutin ou je ne sais pas. Alors, un petit livre de Flore Cuny, donc de Flore toujours, Libération énergétique avec Ho'oponopono. Les guérisons des mémoires bloquantes dans les situations du quotidien. Sublime. Sublime petit livret. Aloha, bienvenue au cœur de ce programme inédit de libération énergétique avec la puissance du Ho'oponopono. Un outil unique pour retrouver votre véritable identité et vous mettre en connexion avec votre moi profond. Une alliance de plusieurs techniques pour naître à soi et s'autoriser à laisser rayonner toute sa lumière. Waouh! Les principes du Ho'oponopono, les objectifs,
En pratique, le réflexe à adopter, mon avis sur l'ordre des phrases, la libération énergétique avec Ho'oponopono. Tout y est, quoi. Tout y est. C'est merveilleux. Comment je sais que ça marche? Comment vont agir les processus? Tout est détaillé. Comment réaliser la libération? Sublime. Ça, n'hésitez pas à le commander aussi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle fait plusieurs livres, il me semble, Florent. Il faut aller voir sur son site, mais je crois qu'elle en a plusieurs. Bon, ben merci, merci, merci. Et Bibliomantique, mon livre oracle. Alors, et ça, c'est une surprise, Florent. Ou alors, j'ai loupé un épisode. Je n'ai pas souvenir que tu avais. C'est peut-être nouveau, d'ailleurs. C'est peut-être la surprise, en plus de toutes ces surprises. Parce que les orgonites, je connaissais, que tu faisais le journal, j'en avais entendu parler. Mais alors, mon livre oracle, ah, ça en plus, depuis que j'en veux un, hein, c'est merveilleux. Regardez-moi ça. Allez, je vous tire un message au hasard. Est-ce vraiment ce que tu veux? Voilà, vous choisissez une page et vous choisissez. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que... Allez, on la refait. Vous vous posez bien une question, d'accord? Réfléchissez pas 2 heures, un truc qui vient intuitivement. Hein. Tac, tac, hop, on y va. Tu as besoin de prendre l'air. Ça, j'ai envie de dire, ça veut dire s'aérer l'esprit. Ça veut dire que vous cogitez trop pour moi. Voilà le message que j'ai à transmettre avec ce message-là. C'est que vous êtes en train de surchauffer votre petite tête. Donc là, le livre oracle. Et regardez la couleur violet et doré. Tout ce que j'aime. Et franchement, 10 euros quoi. Mes amis, 10 euros. Donc, vous savez, Flore, c'est une créatrice qui a commencé en auto-édition et qui est toujours peut-être même en auto-édition, il me semble. Et oui, parce que, ouais, elle est toujours en auto-édition. Et elle mérite vraiment d'être connue parce qu'elle crée des pépites. Voilà. Et en plus, elle a un cœur énorme. Et en plus, elle a un fils qui l'accompagne dans ses projets. Et rien que pour ça, je trouve ça trop chou. Et voilà. Donc, Flore, je te remercie. Je vous remercie à vous d'avoir été là, d'avoir assisté à l'ouverture de ce magnifique colis surprise auquel je ne m'attendais pas. Je savais que le journal arriverait, mais je ne savais pas quand. J'avais zappé en fait que c'était peut-être là, la période. Mais alors, à chaque fois, je les vois, les orgonites, et je me disais, waouh, j'aimerais bien en avoir une. Ben voilà. Et ben voilà. Et je vais bien bosser avec tout ça. Je vais bien bosser avec tout ça. Donc, un grand merci à Flore. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller voir son site qui est merveilleux. Et de commander parce que je pense que ça va partir très très vite. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Bisous Flore. Merci, merci pour tout. Merci pour les messages qui sont très pertinents comme d'hab. Je n'ai plus rien à cacher au petit colibri ni au message de nos guides. Donc voilà, merci pour le petit mot. Merci à ton fils pour les confettis. Fais-lui des gros bisous. Et puis. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour de nouveautés. Peut-être encore. Il me semble que j'ai d'autres nouveautés à vous présenter. Donc, en ce moment, vous êtes gâtés quand même, je trouve. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.